Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc on est sur un weekly vlog. J'en ai déjà fait un la semaine dernière. Donc là du coup c'est le deuxième. C'est le deuxième, donc deuxième semaine. Donc on va le faire beaucoup plus court parce que je l'ai fait voir un petit peu et le premier durait une heure. C'est vrai que c'est un peu long. Même en termes de montage, c'est beaucoup de montage. Donc je vais essayer vraiment de restreindre j'essaie vraiment de filmer ce qui est important. Parce que sinon ça défile, puis une heure c'est juste trop long à regarder, donc pas forcément très intéressant. Donc du coup voilà, donc ça on va le poster aujourd'hui. Au bon moment où je te fais cette vidéo, bon, on va poster le weekly vlog de la semaine dernière. Je vais essayer d'en faire régulièrement, essayer vraiment de filmer que les moments importants à mon sens. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement de se filmer sa semaine et que tu te mettes dans la peau d'un entrepreneur, de quelqu'un qui, voilà, si tu suis la chaîne, tu sais ce que je fais et tu sais ce que je fais au quotidien, et du coup ça te permet de te projeter tout simplement, de te motiver et de donner une source d'inspiration, enfin j'espère du moins. Donc cette semaine va être marquée par le lancement d'une nouvelle sous-loc. En plus, donc elle est un petit peu éloignée de là où on est, elle a 250 km, donc il faut de l'organisation pour le coup. Donc ça va être marqué par ça, et puis marqué aussi par le lancement d'un coaching commun que je vais faire samedi matin de 9h à midi. Voilà, donc on enchaîne. D'accord, donc là les statuts c'est rédigé, c'est fait. Il faut trouver la banque. Ouais. J'avais mis des petits points d'intérêt sur des trucs, il m'a dit ça c'est ça, etc. Puis après, ta banque. Et moi je pensais qu'on crée et qu'on cherchait une banque après. Et en fait, non, il faut trouver la banque d'abord. Ah bah non, est-ce que tu bloques ton capital? Ouais, bah oui, mais j'y ai pas pensé, j'ai pas pensé. Après, oui, c'est ça. Tu bloques ton capital. Bon allez, je vais faire très vite parce que la journée donc touche bientôt à sa fin. J'ai pas filmé grand chose aujourd'hui. Et puis il commence à flotter là. Donc je vais vraiment faire vite parce que là quand il flotte ici, ça va très très vite. Donc aujourd'hui coaching ce matin comme à la semaine dernière. Donc c'est très bien passé. On a fait un point sur le prévisionnel de la personne en question. On a aussi fait un gros point pendant une heure avec mon associé City Manager. Pour la mise en place de la nouvelle sous-location, puisqu'il part demain, il part sur 2 jours. Donc l'idée c'est qu'on fasse toute l'implantation en 2 jours, absolument tout. Montage des meubles, réception, on va recevoir du... Alors j'attends qu'il passe parce que... Voilà. Du coup on va recevoir les meubles demain, on en reçoit également on a déjà reçu une grosse partie, donc qu'on emmène demain dans un gros scénic. Donc on a passé une heure au téléphone à échanger autour de tout ça, puisque plein de choses à voir, l'organisation, la mise en place, comment on va automatiser les entrées, les sorties, etc. Donc on a tout vu aujourd'hui, donc normalement tout est calé, tout est bon. Moi, il me reste 2-3 petites choses à faire ce soir et puis on est bon. Et donc demain, je retourne sur Bangkok, je quitte la campagne. Voilà, et puis tout simplement, et donc du coup on va faire très simple pour cette journée, donc on enchaîne et je te dis. Ah si, autre chose que je voulais dire cette journée, on a eu une personne qui est intéressée pour rejoindre un programme de formation et qui se pose la question, est-ce que c'est le bon moment avec le Covid? Alors j'ai répondu plein de fois à ça, mais je vais le redire à nouveau. Premièrement, le Covid ça va durer encore un paquet de temps, malgré qu'il y ait le vaccin, etc. Je te le dis, ça va durer au moins toute cette année, si ce n'est encore 2022, voire peut-être d'autres années encore, tout simplement. Pourquoi? Parce que vu ce qui est en train de se passer, le vaccin, tout le monde ne sera pas vacciné dans le monde, on est plusieurs milliards dans le monde, donc c'est très clair, tout le monde ne sera pas vacciné, premièrement. Il va y avoir des variants, ça c'est très clair, donc ça c'est la première chose, du paramètre qui doivent t'aider à prendre ta décision. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, il y a toujours une bonne excuse en fait pour ne pas se lancer, pour ne pas le faire, tout simplement parce que tu as peur, ce que je peux comprendre. Mais tu verras que si t'attends, le train va passer et puis t'auras pris aucun wagon au passage. Et moi je t'encourage vraiment à prendre un wagon au passage. Et encore une fois, de toute manière, je suis convaincu qu'on en a encore pour plusieurs années, malgré ce qu'on peut nous laisser croire que dans quelques mois tout ça sera résolu. Moi j'y crois pas du tout. Donc à un moment donné, c'est soit tu laisses le train passer avec les wagons,
soit tu prends un wagon en marche et tu te lances dans l'aventure, tout simplement, sachant qu'encore une fois, le risque est contrôlé, maîtrisé, puisque bah, très peu d'apport, tu mets très peu d'argent sur la table, c'est une création d'entreprise qui n'a pas de coût énorme. Donc franchement, je vois pas vraiment où est le souci. Allez, j'arrête là pour aujourd'hui. Passe une bonne journée et je te dis à demain. Ciao. Bon, c'est parti pour cette deuxième journée de ce weekly vlog. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est retour sur la capitale, c'est retour sur Bangkok. Donc là, j'ai à peu près 3h30 de route. Ouais, 3h30 de route. Ça dépend du trafic, mais je pense qu'il n'y aura pas de trafic. Puisque on est en plein son crâne là, donc on est le 14, oui, 13 ou 14, je sais même plus, avril. Donc du coup, normalement, ça devrait être assez fluide. J'aurais rentré 3h30, ça devrait être bon. Donc retour sur Bangkok. Et puis bah écoute, je te tiens au courant des opérations. J'en ai pour 3h30 là, ça va être un peu long, un peu chiant. Tout seul, c'est un peu relou. Mais bon, ça permet de regarder le paysage, etc. Le seul truc qu'il faut faire attention en Thaïlande, c'est vraiment c'est leur manière de conduire, puisqu'il y a beaucoup d'accidents, beaucoup, puisqu'ils font un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi. Ils apprennent le permis de conduire. Le permis de conduire est donné un petit peu facilement, on le voit bien. C'est la famille qui apprend donc aux enfants à conduire. Et du coup, les routes sont... Alors déjà, les routes sont toutes défoncées, sont... pour la plupart défoncés, donc il perd des gros trous, etc. Il y a des mobylettes qui circulent de partout dans les deux sens, enfin des scooters, donc c'est super dangereux, ça vient de partout, donc il y a intérêt à tout le temps avoir les yeux ouverts. Après, il y a ceux qui conduisent comme des malades, comme toujours, il y a ceux qui conduisent trop lentement, enfin en fait ça va jamais, il y a toujours, donc du coup bah, il faut être super vigilant sur les routes en Thaïlande, parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, allez on enchaîne. Voilà, eh bien, je viens d'arriver à Bangkok. Enfin, je suis arrivé maintenant il y a 3 heures de ça. Donc, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses. En plus, aujourd'hui, c'est une journée qui se goupille bien. Il y a vraiment des jours où c'est comme la semaine dernière. Il y a des jours où tout va bien, tout s'imbrique bien. Et puis, il y a des jours où c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, bah, ça m'a permis, j'ai fait le point avec mon expert comptable. J'ai fait le point avec ma banque aussi, puisque sur un financement d'un projet. Donc ça a été vu, j'ai 2-3 petites choses perso à régler. Aujourd'hui, grosse journée, puisque bah, mon city manager, qui est aussi mon associé sur une entreprise, du coup fait l'implantation de la sous-location. Donc je vais te partager dans cette vidéo, tu verras, je vais te partager quelques photos avant, pendant, après, enfin voilà, je vais partager tout ça. Après, ça sera un vlog sur justement cette nouvelle sous-location. Donc on pose la question, combien de sous-locations j'ai aujourd'hui? Je crois qu'on doit approcher les 20, enfin, ou on les a dépassés, enfin on ne doit pas être très très loin en tout cas, ou dépassés, enfin on est dans ces zones-là en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, donc tout ça se met en place, c'est tout bon. Ici à Bangkok, il y a très très peu de monde, c'est très calme, et quelque part c'est très bien, parce que j'aime bien aussi pouvoir bosser dans ces moments-là, un peu de calme, etc. Je vais devoir aussi, pour peut-être tourner des vidéos, je vais peut-être me réserver un lieu un peu sympa, et essayer de tourner des vidéos dans des lieux sympas. Donc on enchaîne, et puis bah écoute, à très vite. Nouvelle journée aujourd'hui, on est donc mercredi 14 avril. Donc ce qui est top, quand tu démarres tôt le matin, en ce moment je me lève tous les matins à peu près à 6h30, 7h, ce qui est top c'est que, bien entendu, petit café du matin, c'est important. Petit café, petit jus d'orange. Tout ça, c'est vraiment important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu démarres tôt, c'est calme, généralement, c'est très calme. Et tu alignes un travail qui est juste incroyable.
Et le fait, tu vois, d'être à l'étranger, ce qui est top, c'est que moi, le matin, jusqu'à à peu près 14h, donc de l'après-midi, en France, tout le monde dort, tout le monde est couché. Donc du coup, pas de WhatsApp, pas d'SMS, pas d'appel, pas d'email, rien. Et ça, c'est juste génial, parce que du coup, ça te permet d'être vraiment focus sur ton activité, faire tout ce que tu as à faire. Et c'est là que je me rends compte de tout le temps que je perdais quand j'étais en France, parce que le matin, tu te lèves comme tout le monde, hein, et du coup, voilà, t'as quoi? T'as une heure. Moi, le matin, j'essaie de me lever assez tôt. Je suis à peu près dans les mêmes horaires, 6h30, 7h. Je prenais mon café, etc. Et en gros, j'avais une heure et demie où je pouvais faire des choses. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant, c'était trop court. Parce qu'après, le problème, c'est que dès 9h, c'est parti. Les appels, les SMS, les emails, les messages. Et vu que moi, je suis quelqu'un en plus qui, malheureusement, n'arrive pas à couper le téléphone, à l'éteindre, et je suis trop à regarder mes emails, etc., que du coup, tu perds totalement productivité. C'est très clair. Et du coup, tout ce que tu as prévu de faire, bah, finalement, tu vas le faire sur la journée, mais ça va pas être forcément bien fait, ou tu n'auras pas eu le temps de tout faire. Et ce que je me rends compte ici, eh bien, avec ce décalage horaire, c'est que du coup, le matin, j'ai le temps de faire un maximum de choses. Et du coup, l'après-midi, j'ai du temps, effectivement, pour répondre aux messages, répondre aux emails, au WhatsApp, etc., passer des coups de fil. J'ai du temps pour ça. Parce que du coup, je suis pas, en plus, psychologiquement, je suis pas perdu parce qu'en fait, moi, ce qui m'importe dans ma journée, c'est certes faire ce quotidien qui est impératif, mais c'est aussi, en mode créatif, mettre en place des choses. C'est ça qui me fait avancer, moi. Et à un moment donné, si tu veux avancer, il faut bien que tu arrives à prendre du temps pour faire tout ça. Et ça ne va pas être que faire le quotidien. Donc à un moment donné, c'est cool parce que le matin, j'ai le temps de faire mon quotidien, donc une heure à peu près, une heure trente. Et après, du coup, j'enchaîne sur des choses beaucoup plus productives. Et arrivé à l'après-midi, bah là, du coup, j'ai du temps. Donc généralement, j'en profite aussi pour faire d'autres choses, etc. Pas forcément que du boulot. Et du coup, j'ai aussi du temps pour répondre au téléphone, etc. Alors, le contrepartie de ça, c'est que le soir, bien évidemment, bah, en France, c'est toujours en ébullition, alors que toi, tu vas aller te coucher. Mais j'ai pris la décision de le soir couper, terminer. Et puis, bah écoute, ça attendra le lendemain, tout simplement. Ça attendra le lendemain, il n'y a rien qui est urgent en soi. Voilà. Donc voilà un petit peu ma méthode de travail. Donc ça, j'essaie de la conserver quand je vais rentrer en France. Mais ça veut dire en France que faut démarrer vraiment très tôt le matin. Et limite, il faudra démarrer vers 5h, 6h du matin. Il faut démarrer vraiment très tôt. Et je me rappelle une époque quand je bossais dans la grande distribution. Le matin, on commençait très très tôt, on commençait à 5h. Et c'est vrai que le matin, tu enquilles un paquet de travail. Alors par contre, ça veut dire que le soir, tu es beaucoup plus fatigué. Donc c'est-à-dire que le soir, il ne faut pas te coucher à 23h minuit. C'est-à-dire qu'il va falloir seulement te coucher vers 21h, grand maximum 22h. Et tu vas voir que ça fonctionne. Alors après, tu as peut-être aussi des enfants, etc. Les enfants, généralement, tu vas les coucher vers 20h, 20h30. Donc après, tu te laisses éventuellement 1h, 1h30 pour toi, pour être avec ta femme ou ton mari en mode tranquille. Tu dors et du coup le matin tu essaies de te lever assez tôt, vers 5h30 ça serait top, comme ça du coup tu te laisses 5h30 jusqu'à éventuellement 7h pour bosser sur tes projets. Et ça fonctionne plutôt bien parce que du coup le matin tu es vraiment très actif et tu es très productif. Et après, par exemple, de 7h à, je sais pas, 8h, tu vas te préparer tes enfants pour partir à l'école, etc., etc. Et du coup, ta vraie journée va peut-être commencer vers 8h30, 9h. Et là, malheureusement, t'es obligé d'enquiller peut-être sur ton boulot ou sur d'autres choses que tu fais habituellement. Ou ton quotidien, tout simplement. Mais essaie de trouver cette méthode de travail-là. Je te promets que c'est productif pour le coup. Au début, ça va te chambouler un peu, tu vas être crevé, ça va être dur de se lever, je le sais. Mais ça marche. Mais ça marche. Voilà, donc du coup, moi, ce matin... Bah, j'ai répondu aux différents messages, j'ai vu que j'ai reçu des messages, là, j'ai vu que l'appartement du coup hier ça a été bien monté, donc les meubles ont été montés, etc. C'est pas fini, on continue aujourd'hui. Donc d'ailleurs juste après ça, je vais te balancer là les photos, les vidéos qu'a fait mon city manager qui est sur place qui montre tout ça. J'ai fait aussi pas mal de messages vocaux à différentes personnes, différents intervenants pour différentes choses, pour préparer différents dossiers. Voilà, répondu aussi à quelques emails, bien évidemment, c'est normal. Et du coup, on est plutôt pas mal. Donc, il me reste encore des petites choses à faire là ce matin que je vais faire. Mais voilà, de l'administratif tout simplement. Mais normalement, je vais être prêt cet après-midi pour après. Du coup, donc cet après-midi, j'ai coaching, un rendez-vous téléphonique. Qu'est-ce que je dois faire? Bah ça, c'est ma priorité, le coaching. Si, je dois aussi envoyer toutes les invitations pour le coaching de groupe de samedi prochain.
Et voilà, ça va être les grosses choses que je dois faire pour aujourd'hui. Puis bah après, je vais essayer aussi de me programmer du temps pour parce que j'ai prévu des sessions de vidéos. Donc, je vais me programmer mes vidéos, les préparer en avance. Et comme ça, je pense que demain, je vais enquiller sur ça. Voilà. Allez, on continue. Donc là, il faut l'appeler, le propriétaire. Il faut dire, écoutez, moi, c'est OK, je prends l'appartement. Vous me donnez les conditions. Je vous envoie le cabis. Dans la foulée, je vous prépare le contrat dans la foulée, tu sais, essaie d'un peu de... Oui, j'ai parlé du contrat, effectivement, ouais. Et c'est un peu d'avancer le truc, quoi, pour le mettre un peu au pied, voilà, qu'il soit au pied du mur, qu'il faut qu'il fasse, quoi. Ça, c'est la priorité, et après, on voit comment on organise tout ça pour le reste, quoi. D'accord. Et dès qu'il dit oui, c'est OK, bon bah moi c'est OK, tu dis bon bah est-ce qu'on peut signer le contrat rapidement? Enfin, et comment est-ce qu'on peut signer le contrat? Est-ce qu'on fait de la signature électronique, etc.? C'est là où du coup tu le laisses un peu venir, puis bah si tu sens que ça mord toujours bien et que c'est toujours un bon feeling et tout ça, tu dis bah écoutez, je me permets quand même d'insister sur un point, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le Covid, que c'est le confinement, que les livraisons en ce moment ça se font assez lointaines, est-ce qu'il y a moyen de décaler un tout petit peu la date de prise de possession? Si je suis livré prête avant, on démarre au 1er mai, mais si je suis pas prête, est-ce que vous me laissez encore une semaine, 15 jours pour mettre en place l'appartement? Ouais, ok. Voilà, donc comme tu as pu le voir, eh bien, la séance de coaching est donc terminée. Donc très intéressant, très enrichissant. Je t'ai livré un petit passage assez rapide de notre échange. Donc ça, c'est cool. On attend entre temps, bah, j'ai eu pas mal de messages forcément qui sont tombés. J'ai eu une demande pour de la conciergerie, encore une, donc ça c'est plutôt cool. Il me reste quelques petites choses à faire. Là maintenant, je vais partir parce que je dois faire une copie de mon passeport, donc faut absolument que j'aille faire ça. Et je vais prendre avec moi mon sac à dos avec l'appareil vidéo et de quoi tourner. Et puis je vais essayer de voir si je peux pas me trouver un petit spot pour tourner une petite vidéo sur un petit sujet qui me plaira bien. Voilà, et puis il me restera encore des petites choses à faire. Je dois préparer aussi donc le coaching de samedi, donc il faut qu'on envoie le mail, etc. Donc tout ça c'est en cours. Et puis ah oui, si, puis aujourd'hui c'est, je sais pas si tu connais, si tu t'intéresses un petit peu aux crypto-monnaies. Alors moi je m'y intéresse vraiment de très très loin, mais aujourd'hui sort Coinbase, donc Coinbase qui est une crypto-monnaie qui va sortir. Sur laquelle je pense qu'il y a, alors même si elle est surévaluée, cette crypto-monnaie, je pense que ça peut être intéressant. Donc je pense que je vais, tu vois, me lancer un petit peu là-dedans, même si j'ai déjà un petit peu commencé, mais je suis pas un gros adepte de ça. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais aller chercher un petit peu de crypto-monnaie, parce que pour moi c'est l'avenir, et il faut absolument il faut avancer tout simplement, et il faut suivre les tendances, même si j'étais pas forcément je suis pas du tout issu de ce milieu-là, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Il faut être opportuniste parfois. Allez, on enchaîne. Allez, je pense que là on est prêt pour. Je me suis trouvé un petit lieu sympa, un petit parc. Donc je vais te faire un petit peu le petit parc. Du coup, j'ai préparé mon petit setup avec mon petit micro qui va bien. Et normalement, on est plutôt pas mal. On va pouvoir faire tourner quelques petites vidéos. J'ai attendu qu'il fasse un petit peu moins chaud et également qu'il fasse un peu moins soleil aussi, parce que très clairement en journée il y a trop de soleil, donc trop de luminosité, il fait trop chaud, donc c'est juste impossible de tourner des vidéos dans ces moments là donc c'est pour ça que j'ai attendu ce moment là donc il est quasiment 17h, ça me laisse une petite heure pour enchaîner sur les vidéos. Allez, on continue. Je compte le faire là. J'ai déjà fait 2-3 000 mots là. Ça me prend pas mal de temps. Moi je pense que ouais, vraiment un bel article, pleine page sur ton site, etc. Ça va donner un gros coup de boost au référencement. Alors chaque chose se fait en son temps, hein. c'est pas immédiat, mais ça va donner beaucoup de poids à ton site internet, et pour ta conciergerie ça va petit à petit, ça va permettre d'améliorer ton référencement. C'est d'avoir plus d'autorité à force. Ouais. Et puis après, si tu peux faire un petit peu de sponsoriser, on fera voir, quoi. Ça pourrait être intéressant aussi. Mais si on fait tout ça, qu'on fait un petit peu de démarchage à droite à gauche, ça devrait te permettre de prendre tes premiers clients, quoi. Ouais, parce que là, on s'est dit, maintenant, c'est bon, maintenant, il faut que ça rentre. Faut que ça rentre maintenant, ouais. Faut que les sous rentrent, quoi.
Et ouais, c'était la semaine dernière, il y avait un site en domaine expiré que je voulais acheter. Ouais. Mais je l'ai pas eu. Et le titre, c'était Visiter Strasbourg. Ah ouais, c'est pas mal. Allez, on est jeudi, donc on est jeudi, tout simplement. Jeudi 16 avril. Donc hier, alors en fait, comme je te le disais, je me suis loué un appartement Airbnb pour que je trouvais plutôt sympa dans le décor, etc. Sauf qu'hier, j'avais pas du tout l'inspiration pour faire des vidéos, j'étais pas du tout bon. Donc j'ai tout arrêté, je suis parti. Beaucoup de problèmes aussi de réglage, etc. Voilà, je trouvais que l'appartement finalement était pas bien configuré pour faire des belles vidéos avec les contre-jours, etc. Donc là, je suis revenu ce matin, je suis arrivé ce matin, il était 9h. Donc là, j'ai tourné plusieurs séries de vidéos, donc je suis assez content de moi. Le rendu est vraiment top. Donc tu vois, parfois, si tu vois que ça passe pas, il y a un jour ça va pas, franchement, tu refermes tout et tu rentres. Par contre, c'est vrai que c'est chiant psychologiquement parce que tu as l'impression d'avoir rien fait. Mais il faut l'accepter. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et tu verras, ça t'arrivera aussi. Il y aura des jours où t'es pas du tout en mode productif. C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, mais ça marche pas. En plus, hier, j'ai eu des soucis, des petits problèmes à gérer qui m'ont fait perdre du temps. Et quand tu es en mode créativité, si tu veux, tu peux pas te permettre d'être perturbé. Et c'est ce qui s'est passé hier, j'étais perturbé par différents problèmes, donc et du coup j'ai plus tête à ça. Et du coup après ça a juste été n'importe quoi, donc j'ai tout fermé, j'ai tout arrêté et je suis parti. Et du coup je suis revenu ce matin en mode convaincu que là, puis en plus hier soir j'avais retravaillé mes sujets, j'avais vraiment passé du temps à bien préparer tout ça. Il y a aussi toute une phase de préparation qui est intéressante et qu'il faut absolument faire. Et du coup, ça m'a permis ce matin d'être vraiment en mode productif. Donc là, je suis vraiment content parce que très productif, il est 10h30, je suis là depuis 9h, en 1h30, j'ai vraiment aligné un paquet de choses. Alors tu verras, je vais te partager aussi, hier on a fini donc la sous-location que je t'ai parlé. Donc je vais te mettre des vidéos, des photos, tu verras tout ça. C'est terminé. Donc bravo à mon city manager, bravo à lui, qui est aussi mon partenaire, qui est vraiment quelqu'un de formidable. Qui est vraiment qui a le cœur sur la main, qui est très pro, très carré, enfin vraiment des personnes rares, tu vois. Et quand tu les trouves, ces personnes rares, franchement, fais tout pour les garder parce que ça ne s'en présente pas deux fois. Donc vraiment top. L'appartement est terminé. Je pense que ce matin, il va m'envoyer les photos de l'appartement. Comme ça, je vais pouvoir créer les annonces. J'ai aussi une autre annonce à créer en conciergerie parce que ça y est, on a récupéré un appartement là encore en conciergerie. Donc je vais créer l'annonce également. J'ai également quelqu'un de ma formation que j'accompagne qui est là en train de lancer deux nouvelles sous-locations. Donc hier, il m'a partagé ses vidéos, etc. Donc hier, c'était une grosse journée parce que tout le monde me partageait un petit peu ce qu'il faisait, donc, dont cette personne-là que j'accompagne. Donc forcément, j'ai un regard beaucoup plus attentif sur ce qu'il fait, etc. Donc voilà, donc hier grosse journée. Aujourd'hui, je pense que ça va être à peu près pareil. Il y a pas mal de taf, mais en tout cas, je sens que c'est une journée qui se passe bien, qui démarre bien et qui devrait être vraiment productive. Donc voilà, donc tu découvriras ces vidéos, cette chaîne YouTube prochainement. Bah voilà pour aujourd'hui. Je vais pas m'éterniser plus longtemps. C'est ce que je t'ai dit, le format vlog, weekly vlog. J'espère qu'on va essayer de faire une vidéo de 30-40 minutes maximum. Le but, c'est pas de te polluer avec des vidéos qui durent trop longtemps, sinon je sais que tu ne les regarderas pas, parce que ton temps est compté et je le sais bien. Allez, on enchaîne. Allez, on est samedi aujourd'hui, donc samedi 17 avril. Donc j'étais réveillé très très tôt ce matin, donc j'ai pas mal avancé, j'ai géré plein de choses. On a créé l'annonce, là je viens de terminer de créer l'annonce sur Airbnb pour la nouvelle sous-location, donc ça c'est cool. J'ai reçu toutes les photos, là je crée aujourd'hui une annonce pour un nouvel appartement en conciergerie.
Cet après-midi, j'enchaîne sur... Non, ce matin, parce que du coup, l'après-midi sera pour moi, mais pour toi en France, ce matin, donc on va faire 3 heures de coaching avec toutes les personnes qui ont rejoint mon programme de formation, enfin toutes les personnes, tous ceux qui ont rejoint en janvier et février. Je fais vraiment je regroupe par date d'entrée. Et puis ce soir, cet après-midi, du coup, en heure française, eh bien, je fais donc mon live habituel et j'ai donc Dimitri Boujard, que tu dois sûrement connaître, qui est donc l'avocat immobilier. Tu taperas sur internet si tu connais pas, qui va intervenir ce soir pour nous présenter un nouveau bail qu'il a rédigé dans le cadre de nos business. Et également, on va parler aussi de règlement de copropriété. Enfin, on va parler un peu de juridique par rapport à tout ça. Donc, ça devrait être sympa. Et Dimitri me fait donc l'honneur de bien vouloir participer à cette séance de questions, tout simplement. Donc ça sera par contre privé, hein, privatif pour tous ceux qui font partie donc de mes programmes. Donc tout ça, eh bien, ça aura lieu aujourd'hui. Donc j'allumerai de temps en temps la caméra, ça permettra de suivre un petit peu. Là, je vais partir déjeuner avec un ami. Alors lui, il a un parcours un petit peu différent. Lui, il est vraiment dans l'import-export. Et il a fait ses plus gros mois depuis l'année dernière, en fait, puisqu'il a donc il fait déjà beaucoup d'importations de pas mal de produits et il a travaillé avec des grosses enseignes pour faire de l'importation de masques. Donc il a fait énormément d'argent. Ce que je peux t'assurer, c'est qu'il y a des personnes qui ont vraiment gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec les masques, même s'il y a toute l'histoire, on doit payer prix coûtant, etc. Le fait est qu'à la base, il y a aussi des importateurs et je peux t'assurer qu'il y a quand même de l'argent qui circule. Donc voilà, du coup, on va déjeuner ce midi, puis après, je reviens et on va enchaîner sur ça. Et puis du coup, je vais essayer de te partager quelques moments du live, quelques moments aussi du coaching d'aujourd'hui. Comme ça, du coup, ça te permettra d'être un peu dans le bain et de voir tout ça. Allez, on enchaîne. C'est le 1er mars, on va dire, vraiment à démarcher. Et t'es sur quelle ville déjà, toi? Je sais pas si tu connais vers Metz. Non, ouais, pas plus que ça. Ouais. C'est un peu. À Metz, c'est Luxembourg, je sais pas si tu connais. Ouais, oui, si, oui, oui. On est à la frontière, en fait. D'accord. Et t'avais déjà des concurrents sur place ou. Ouais, t'en as déjà quelques-uns peut-être, mais peut-être pas tant que ça. En fait, je travaille avec. Pour mes appartements, j'ai une dame qui me fait le ménage, elle a une conciergerie en fait. Mais elle fait tout à la carte en fait. Donc elle fait un peu de tout. Donc tu bosses avec elle du coup? Ouais, je bosse avec elle. C'est elle que tu sous-traites le ménage et tout ça quoi? Ouais, donc je l'ai pris. Bon, c'est un peu plus cher vu que derrière elle resous-traite avec des auto-entrepreneurs. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle me gère. C'est comme si elle gérait un peu les auto-entrepreneurs. C'est, oui. Tu vas dire s'il en manque un, etc. Donc pour toi, c'est total délégation, quoi. Ouais, c'est cool. Ah, c'est cool. Donc 4 appartements en conciergerie, plus les 2 tiens. Et après, ton idée, c'est d'aller chercher de la sous-loc, j'imagine. Ouais, de la sous-loc. Mais comme en fait, chez moi, il y a un souci dans mon secteur. C'est que les appartements... C'est le cas. Et en termes de dépôt de garantie, quand le loyer est à 800 euros... parce que moi là j'ai pas eu de proposition du deuxième propriétaire. Combien est-ce que moi je pourrais lui proposer pour le rassurer? Et en même temps sans trop me ruiner, parce que derrière il y a beaucoup de choses à faire. C'est un mois normalement, c'est un mois.
D'accord. Moi, je l'ai fait qu'une fois où j'ai mis 2 mois parce que je voulais. C'était le seul moyen que j'avais trouvé pour absolument récupérer le bien. Et j'ai bien fait parce que le bien, il était, il rapporte. C'est une maison et elle crache vraiment beaucoup de cash flow. Donc, c'est pour ça que je savais ce que je faisais. Mais des fois, tant pis. Hein, faut. Moi, des fois, ça m'est arrivé de dire, bah écoutez, on fera pas affaire. Je suis navré. On s'entend pas. D'accord. Mais allez, on est donc dimanche, dernier jour de ce weekly vlog. Donc hier t'as pu voir, donc j'ai fait mon coaching de groupe pendant 3 heures. Ensuite après j'ai fait mon live, j'ai fait venir donc maître Boujard, donc qui du coup qui est l'avocat investisseur, qui a pu partager avec nous pas mal d'informations, donc ça c'était cool. Et du coup bah, ça, on a fait un petit live pendant 2 heures, on a vu pas mal de choses, règlement de copro. Nouveau bail de sous-location, enfin vraiment pas mal de choses. Et puis là aujourd'hui, donc là c'est une journée un peu spéciale puisque je vais tourner des vidéos et du coup j'ai loué un Airbnb et donc je voulais vraiment partager ça avec toi parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes ici. Donc je vais prendre un tout petit peu de temps, je vais te prendre quelques minutes mais pour te faire voir vraiment aujourd'hui ce que c'est qu'un vraiment un bel appartement Airbnb. D'ailleurs je crois qu'il est super host, vraiment top, mais plein de petits détails qui font vraiment la différence. Donc je te fais voir ça tout de suite, regarde bien. Du coup, l'appartement est très cosy, il est petit mais très cosy. Donc déjà on a vraiment le matériel, on a vraiment du bon matériel, vraiment du bois exotique, vraiment top. Là le petit truc sympa, c'est que tu vois, t'as des petits trucs de jeu là, tu peux jouer aux dames, etc., au scrab et tout, même si bon, on le fait pas trop, mais je trouve ça quand même pas mal. On a le petit gel bien évidemment, on a la petite enceinte. Donc là, faut se méfier, parce qu'avec le bruit, etc., faut être vigilant quand même. Bon, là, pour la petite senteur, etc., pour que ça sente bon, on a une grande télé. Bon, bah ça, c'est relativement classique. Là, ce que j'aime bien dans la pièce principale, c'est qu'on a aussi donc la petite librairie. Ça fait vraiment un côté cosy. On sent chez soi, en fait. On sent chez soi, tout simplement, avec les petits cadres, les petits... C'est comme si on était à la maison, quoi, tout simplement. Les petits cadres qui vont bien, la petite table, etc. À chaque fois, des petits coussins. Là on a des petits poufs, voilà. Là sur la table, bah, on a des petits, voilà, des petites choses comme ça. On a les petits coussins, un petit cadre encore qui est très sympa. Donc vraiment top, franchement. Après on accède à une chambre et là tu vas voir, c'est pas mal aussi tout ce qu'ils ont prévu. Alors là je trouve ça très rigolo. Il y a les boules caisses, ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Ça doit être un réveil, je pense. Voilà, donc toujours pareil, du bon matos. Et là, c'est surtout que le lit, et c'est ça que je voulais te faire voir. Voilà, ça, c'est comme ça que tu dois présenter tes appartements. C'est-à-dire que tout est bien tiré, tu vois, il n'y a pas de plis, etc. Là, on a rajouté ça par-dessus. Là, du coup, on a donc on replie ici. Et à chaque fois, toujours mettre donc 4 coussins, enfin 4 oreillers, enfin 2 oreillers pardon par personne, donc ça fait 4, plus toujours les petits coussins. Ça c'est vraiment la configuration standard, d'ailleurs Airbnb la préconise dans ses annonces. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Après ici on arrive, donc là ils ont exploité ça pour petit coin bureau. Tu sais, sur Airbnb tu peux mettre, si tu as une option, si tu as un desktop pour travailler, bah là typiquement c'est possible. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Après on arrive sur une petite salle de bain, enfin une grande salle de bain même, et là ils ont poussé assez loin, c'est-à-dire que là, tu vois, ils nous ont mis le petit coton-tige, donc vraiment personnalisé, enfin individualisé on va dire. Là le petit peigne, voilà. Là on a carrément les petits sets de tout simplement pour se laver les dents, donc ils en ont mis 2, donc ça c'est cool. Voilà, là ici on a donc, en fait ils ont brandé, c'est-à-dire que l'appartement, tu vois, c'est l'appartement 476 et partout c'est brandé 476, c'est-à-dire que même sur Google Maps, quand tu tapes APT 476, eh bien tu tombes sur cet appartement, tu le retrouves tout de suite sur Google Maps. Donc c'est vrai qu'ils ont créé une vraie identité par rapport à ça, et même quand tu arrives, tu as un petit panneau avec écrit APT 476, donc tu peux pas te tromper, tu sais que tu es au bon endroit. Là, bah, tu vois, donc les petites serviettes, bon là, rien de spécial. Là, ici, c'est, donc là, du coup, on a le sèche-cheveux dans le petit sac. Là, je sais pas trop ce qu'ils ont prévu là-dedans. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a là. Là, ça doit être écrit en chinois, c'est quoi ?
portable streamer, d'accord. Bon, ça c'est peut-être pas forcément utilisé, d'ailleurs on voit bien que c'est pas trop utilisé. Là on a le safety box. Et puis là aussi ce qui est intéressant c'est ça. Effectivement pour les sorties de bain, c'est très apprécié. Voilà. Autre petite chose, petit détail, mais tu vois, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça se prend comme ça sur un petit cube. Et là, tu as l'accès Wi-Fi, tu ne peux pas le louper. On a ensuite donc les petits chaussons. Donc ça fait comprendre qu'il faut, bah, voilà, il faut préserver le logement et pas rentrer avec ses chaussures toutes crades. On arrive ensuite sur une autre petite chambre. Bon là, rien de spécial. Mais tu vois, ils n'ont pas préparé les lits en fait, parce que bah, ils partent du principe peut-être qu'ils ne vont pas utiliser. Donc, mais en tout cas, c'est là, c'est disponible. Voilà. Et là, on arrive sur la cuisine. Donc là, la cuisine, c'est juste parfait, puisque quand on arrive, on a un bon aperçu. Et aussi, tu vois, voilà, on a les petites dosettes présentées comme ça, c'est très sympa. On a après, donc si on veut du thé, du lait, du sucre, ça c'est bon. On a la petite cafetière qui est là, donc ça fait vraiment son effet. Après, on a aussi de quoi donc cuisiner, on a toutes les petites sauces. Voilà. Donc là, forcément, le petit gel, etc. Et là, quand on se retourne, c'est très sympa aussi. Donc là, on a le sucre. Là, on a des petits snacks. Voilà. Des petits snacks. Et puis ici, quand on ouvre le réfrigérateur, bah, c'est vrai qu'on se retrouve avec les petites bouteilles d'eau. Ils ont poussé un peu plus loin. Ils ont même mis du coca et du Sprite. Voilà. Donc ça, c'était vraiment... Je voulais vraiment te présenter ça. Ça me semblait vraiment important parce que... Bah là, tu vois, quand tu arrives sur ce type d'appartement, là, t'arrives, pouf, tu vois ça, tu te dis, waouh, c'est juste excellent. Ils ont pensé à tout, tout est là, tout est prévu. Et tout de suite, ça donne vraiment une très très bonne image. Et puis c'est comme ça, tout simplement, que tu récupères tes notations voyageurs. Puis tu vois, ils ont même été aussi jusqu'à mettre des petits tapis un peu partout. Avant chaque pièce, en fait, avant d'entrer dans chaque pièce, t'as un petit tapis. Donc ça, c'est vraiment top. On n'a pas été voir tout ce qui est ustensile de cuisine, mais je pense que voilà, ouais, ça suit le même principe, absolument tout. Bon, là, on est plutôt dans les standards, hein, mais ouais, il y a vraiment tout, quoi. Ouais, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Donc voilà, donc ça, je trouvais ça intéressant de partager tout ça. Oh, il y a même plein de planches, etc. Ouais, donc là, du coup, je voulais vraiment partager ça avec toi parce qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, c'est super important. Surtout avec les confinements, etc., que vivent les personnes, ils ont besoin d'être vraiment chez eux à la maison, quoi. Ils sont en appartement, ils sont à la maison. Et du coup, ça va aussi les... Indirectement, tu vas les influencer, ils vont se dire « Ah ouais, c'est vrai que pourquoi je reste pas plus longtemps à l'appartement, je me sens bien, je me sens chez moi. » Et du coup, ils vont très certainement aller après sur des réservations beaucoup plus longues. Et donc ça, c'est super intéressant, super important. Donc tu vois, tous ces petits détails, bah mine de rien, là, c'est vrai que ça... Moi, je suis assez bluffé, quoi. Je suis vraiment bluffé comparé à d'autres que j'ai pu voir. Les photos sont vraiment la réalité du logement. Combien je vois d'appartements que j'ai pu faire où les photos, malheureusement, ne correspondent pas. C'est-à-dire que les photos sont très lumineuses, très belles, etc. Et quand tu arrives, finalement, c'est plutôt austère, c'est pas très lumineux. Le matériel qu'il y a dedans, il est vieux. On voit que ça a servi depuis un paquet de temps. Donc voilà, donc tout ça, je voulais le partager avec toi. Maintenant, je vais aller préparer donc, mes vidéos. Je te souhaite une excellente journée. Puis peut-être je referai un autre petit vlog en fin de journée ou peut-être pas. Donc ça sera la fin de ce wiki vlog. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire si tu veux que je continue à publier des weekly vlogs comme ça, si ça peut t'aider, t'inspirer, te motiver. N'hésite pas à me le dire en la partie commentaire, c'est super important pour moi de pouvoir contrôler ça et de voir ça. Allez, je te souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine, je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais franchement, belle journée à toi, sois motivé, tu sais, hein, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. À très bientôt, ciao!